que madame Dominique Dupuy travaille pour ça, même j'en moi en pile monde dans société a yo même yo mettez chapeau bas devant, yo estimez c'est bienvenu. Moi me penser moi-même tout moi c'est bienvenu. Me pas connais si puis devant la tromper. Me bra le fortin de discours te prononcé et dans UNESCO le 18 mars 2024 dans 219e conseil exécutif là dans Paris. Je vais faire entendre le discours ça a été prononcé dans la période ça. Parce que nous avons besoin de monde de valeur qui est capable de représenter le pays. Je vous remercie et j'aimerais donner la parole maintenant à son Excellence Madame Dominique Dupuy, représentante au Conseil et ambassadrice et déléguée permanente auprès de l'UNESCO. Vous avez la parole, Madame. Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellence, chers collègues, durant ce débat général, nous sommes invités à bâtir nos interventions autour des points à l'ordre du jour de cette 219e session du Conseil exécutif. Mais vous comprendrez que dans cette maison de l'UNESCO, dont le mandat est la construction de la paix, il me serait aujourd'hui impossible d'échanger sur les technicités du C5, alors que tous les outils nécessaires à cette paix subissent chez moi un assaut sans précédent. Alors que l'éducation, la science et la culture sombrent davantage dans le gouffre infernal qui engloutit mon peuple depuis trop longtemps. Que tous les remparts sautent sous les tensions de la prise en otage d'un pays entier où 12 millions de personnes espèrent encore se réveiller d'un cauchemar ensanglanté. Confrontée à l'indicible, j'ai considéré me taire. Me taire par douleur, par déboussolement, mais aussi par culpabilité. Pour le confort de cette salle depuis laquelle je peux encore m'exprimer, alors que ceux au nom desquels je parle croulent sous le poids de la terreur. Me taire par colère pour mon pays que certains semblent déjà imaginer ne plus exister. Je refusais de vous étaler ici l'anatomie d'une chute, de vous dire que depuis le fin fond d'un trou où nous nous trouvons, nous voyons la main de ceux qui nous y ont poussés, ces mains qui pourraient encore, si elles le voulaient, nous tendre une perche. Il me semblait vain de vous décrire la gangrène du tissu social, vous la lisez déjà dans vos journaux, vain de vous expliquer la putréfaction de l'espoir, vous la voyez déjà sur vos écrans, vain de vous raconter l'immolation d'une jeunesse. Je refusais d'alimenter l'algorithme qui décide des priorités de l'aide internationale, de prendre part aux funestes enchères de la pitié, de participer à l'encan de la crise la plus grave, de faire concurrence à celui qui comptera le plus de morts, qui criera le plus fort son angoisse, qui articulera le mieux cette faim qui ronge le corps et l'âme de plus de 5 millions de personnes, dont la majorité sont des enfants. Je refusais de vous dire qu'une capitale se transforme en tombeau béant et que, comme moi, tous mes concitoyens sentent leurs tripes s'extirper de leur corps, zombifiés par l'effroi. Que nous perdons tous, minute après minute, dans cette descente vertigineuse vers un inconnu effrayant. Nous perdons tous, mais certains perdent davantage, certains perdent tout. Leur maison, leur repère, leur vie, certains n'avaient déjà rien et se retrouvent anéantis, morts vivants, face à cette nouvelle secousse psychique, face à la réplique de trop, depuis le temps que la terre tremble chez moi. Que cette guerre, ce fratricide n'est pourtant pas que notre plaie, mais celle du monde entier. Que mon pays se retrouve à la croisée d'enjeux planétaires, tant humanitaires, climatiques que sociopolitiques. Un avant-théâtre d'un effondrement qui nous implique tous. Oui, il aurait peut-être mieux valu se taire aujourd'hui. Vous avouez que je n'ai ni primeur à partager, ni potion magique à vanter. Laissez libre cours à vos débats et me tairez dans un coin, fermez les yeux, serrez les poings et attendre. Espérez que l'orage passe, que les monstres s'évaporent. Si seulement je n'avais pas eu à consulter récemment les archives de l'UNESCO, si seulement je n'avais pas eu la preuve tangible entre les mains que ce qui se dit ici s'inscrit dans des annales qui nous transcendent, une histoire destinée aux hommes et aux femmes de demain qui nous jugeront, tant sur ce que nous avons dit, sur ce que nous avons fait, que sur nos silences. Une histoire qui viendra soit nous saluer, soit nous hanter. Alors se taire aujourd'hui serait capituler. Être complice du sort abject des enfants de mon pays, privés de leur droit à l'éducation, privés de leur seul repas par jour, privés de leur droit à la dignité, interdits de jouer, interdits de rêver, interdits de vivre. Complice des salles de classe où seul prend lieu le sombre ballet des esprits errants d'étudiants et d'enseignants tués par balles. Complice du sort des filles et des garçons violés en toute impunité. Complice du sort des artistes et des artisans qui ne peuvent plus créer, plus vendre, ni leur œuvre, ni leurs rêves. Du sort des athlètes qui ne brillent que s'ils sont déjà ailleurs, des scientifiques qui, comme les agriculteurs, traversent sans baluchon les fils barbelés d'une frontière fermée, du sort des journalistes contraints à l'exil, vigiles de l'horreur, au péril de leur vie.
Se taire serait abandonner, renier les combats pionniers menés par les fondateurs de ma nation, cracher sur le courage de ceux qui continuent, obstinément, encore aujourd'hui, à résister au bord du précipice. Se taire serait trahir la mémoire de ceux qui succombent à l'abîme, trahir les cadavres calcinés, les corps mutilés qui ponctuent le quotidien de Port-au-Prince. Et malgré la déshumanisation macabre qui est à l'œuvre, malgré les caricatures cyniques dont nous faisons l'objet, ne trahissons pas la mémoire de ces vies, car c'est bien de vies dont il s'agit, de personnes humaines comme vous et moi, qui ont aimé, qui ont rêvé, et qui laissent chacune derrière elles un cratère de l'absence. Ces morts dont nous ne pouvons même pas faire le deuil, puisqu'il est impossible de pleurer le départ d'un être lorsque nous observons impuissants l'agonie lente de toute une nation. Madame la directrice générale, je tiens à vous remercier de votre engagement constant, renouvelé encore ce matin, ainsi que celui des États membres comme le Chili, en faveur de mon pays. Ces élans m'émeuvent et m'encouragent. Chers collègues, je fais donc le pari de ne pas me taire, ni aujourd'hui ni demain, parce qu'il faut quelque part que l'on prenne acte et que l'on se souvienne qu'il existe encore un pays, habité d'êtres humains, assoiffés de paix et d'avenir, qui ont eux aussi le droit à l'éducation, le droit de préserver et d'exprimer leur culture, le droit de vivre. Je vous raconterai ce pays qui peut, qui veut et qui va renaître. Cette terre de Dessalines, de Catherine Flon, de Suzanne Commer-Sylvain. Cette terre de la soupe Jaumont, de la cassave et du compas. Cette terre du KPK. Dans cette longue nuit, je vous raconterai une Haïti pleine de lumière. Car dans le clair-obscur de notre parcours, nous avons su transformer les spectres de l'oppression en oiseaux de la liberté. Merci, merci en pile à Ibobo. Ça, c'est une radiographie. Ça, c'est une radiographie. C'est une radiographie. Et c'est ça que fait ma prescrit aujourd'hui. Émission John lundi en direct. Dis petit tout en d'il. Dis Marie au temps d'il. Dis madame au temps d'il. Parce que bon, ici, c'est une université nous gagnons. C'est une école classique nous gagnons. C'est un centre de formation professionnelle nous gagnons. Nous là pour nous canaliser. Parce qu'à l'université, pour que ce soit bon 25%, 75% est fort assez haut pour faire. Et bien, nous l'avons dit en direct son université. Li. C'est que nous là pour nous chercher piste, pour nous mettre au parfait, pour nous faire piste pour aller réfléchir sur nous. Et parce que ça, parce que la contribution nous chaque compte. N'en retirer pays d'Haïti côté lié jodi a parce que pays a pas capable encore faut que chaque nan nous joue partition pan et me souhaite discours ça nous s'attendait là que madame Dominique t'ai fait sous notre tribune UNESCO que nous kembel à chaque moment que nous veulent font faire pour nous râler parce que radiographie ça saute fait là il saute fait là à côté de râler tout ça Haïti comme problème en 6 minutes quelques secondes que le décrit tout ça Haïti a passé là comme tracas et comme valeur Haïti gain comme valeur que pour nous rappeler et que mais qui est souté jodi a si vous c'est chef diplomatie c'est que gain bagaille qui ka fait faut qu'on fait et ça que t'aime toujours dit nous bon ici a pas monde qui compte toute bagaille là qui vient parler toute causer pour compte moi c'est moins à coup qu'à interagir et ça que l'important de pour monter dans live là by disons dis so penser des sujets qu'a traité parce que c'est moins avant qu'a traité l'ensemble parce que il est temps pour nous gon paquet monde qui érigé en professeur gros professeur moral qui yo même pas d'accord collaborer à ken l'autre monde pour retirer pays d'Haïti dans situation côté lié là parce que pas gain ken comportement individualiste qui va le permettre que Haïti sauver c'est un coude à coude c'est main ensemble chaille par loup c'est ensemble tout fait youn cap sauver pays d'Haïti parce que si nous rete sous brinzeng nous kembe ego nous yo pa gen ken côté a mené nous c'est la guerre Haïti dans tout sans fond en pirette.